Thierry, on va revoir cette image qui nous fait froid dans le dos, évidemment, et à vous aussi. À la sortie de ce virage, la courbe qui se referme, il est surpris parce qu'elle se referme beaucoup plus, il bloque sa roue arrière. Il y avait un spectateur qui était juste à sa gauche, juste à gauche de lui. Et là, effectivement, on voit le vélo voler en l'air. Il va très vite, même s'il a bloqué sa roue arrière, et il bascule de l'autre côté. Il n'y a rien à faire. Bien sûr que quand on tombe, il y a une faute du coureur, une faute d'appréciation du danger. Mais à ce moment-là, de toute façon, la vitesse, il ne peut évidemment rien faire.